c'était première rencontre, notre gardien commission éthique et anticorruption avec le gouvernement. Rencontre ça, nous faisons, c'est sous trois points que nous avons déterminé que nous allons travailler sur eux. C'est la contrebande, la fraude fiscale et la vérification des franchises. Je dis à le ministre finance qui était là, tu gagné directeur général douane, DGI, APN, inspection fiscale, inspection des finances, chef cabinet ministre là. Et de l'autre côté, nous avons presque toute commission et président commission finance là, sénateur Belizec qui a accompagné nous, sénateur Larèche, sénateur Foucan, sénateur Jacquito et sénateur Célestin et moi-même votre serviteur. Nous parlons de trois sujets, ça, nous arrivons peut-être mettez-nous d'accord sous ce frontière-là, il y a 40 à 45% peut-être de produits que la douane taxe, mais il y a tout le reste qui n'est pas taxé. Donc ça veut dire que la commission pourra garder justement sur le terrain après pour qui problème, en plus de problèmes que vous dites, et qui ça vous doit faire. Ça, c'est au niveau de la contrebande. Au niveau des franchises, ça nous reste que, à dire ça surtout, il y a environ 10 391 millions de gourdes qui allaient dans la franchise. Alors, plusieurs de ces secteurs, il y a le secteur ONG, il y a la franchise diplomatique, il y a l'agriculture. Donc, nous avons dit, puisque en général, la franchise a été bâillée pour favoriser par rapport à la loi sur investissement pour qu'il y ait été créé le travail, et c'est comme ça que l'État a perdu, parce que j'ai mis les finances à ce deal, 10 milliards de gourdes là. L'État a supposé payer la douane comme là. Mais l'État n'a pas payé, donc c'est 10 milliards de gouttes, oui, c'est que l'État n'a pas entré. Est-ce que des compensations, est-ce que le travail qui crée vaut ça? Ou bien est-ce que par exemple, l'entreprise qui bénéficie de franchise là, qui va donner difficile? Donc nous demandons à et fraude fiscale là, nous sommes situés dans l'entreprise, il y a plusieurs bilans, plusieurs états financiers. Il y a un pour DGI, il y a un pour la banque et il y a un pour l'international. Donc nous demandons comment que, à partir de banque, nous avons vérifier l'état financier ça pour que ce soit l'autre qui DG pour entreprise à pas payer moins. Ça veut dire, là nous gardons dans la question ça, comme qui perdu. Non. Alors, comme nous dépassons dans la franchise environ 10 milliards, 400, 500 millions de dollars sous frontière, l'on mette dans la goutte, on multiplie justement par 66, 600 millions, c'est 6 milliards, c'est quand même presque 30 milliards, 10 milliards dans ça, et dans la plus de 50 milliards. Ou qu'a dit que ou a cherché là, eh bien, soit là dans la fraude, soit là dans la franchise, soit là dans la contrebande. Donc, l'État, le perd du tout comme ça, ça veut dire que l'État faible, qui a demandé, et on l'État, côté nous a dit, et nous reconnaître là, bien, au système, côté nous a dit, un petit groupe qui bénéficie de tout le bail. Nèg qui fait contrebande, c'est l'Ligue de l'État financier. Est-ce que vous comprenez? Et puis, c'est lui le plus souvent qui va franchir. Bon. Donc, ça veut dire que il faut qu'on l'homme qui mette dans ça, parce que 50 milliards là, ce n'est pas peuple là, non. Moi, je dis comme si le peuple là passé dans le peuple là, il passe dans un petit groupe et que l'État doit arriver justement à rejoindre comme ça. Donc, voilà, en gros, ça nous discute. À partir de là, nous allons rencontrer la Chambre de commerce, pour nous garder des questions contre la fraude fiscale. Nous allons aller sur le terrain. Dans la frontière pour nous garder qui problème et nous avons un rapport pour nous bailler l'Assemblée pour nous voir comment pour nous résoudre les questions et faire que l'État rentre comme il doit rentrer, puisque le sujet que d'abord qu'on est dans la commission, c'est garder nous avons dit fraude à partir de DGI, à partir de contrebande et également à partir de ce franchise qui baille pour nous qui ne doit bailler à Mounzao, Mounzao va mériter franchise. Le n'a pas parlé de contrebande. Contrebande en général, le président a expliqué ça lié, mais il y a une réalité particulière, c'est que dans la contrebande, il y a une zone qui bénéficie par rapport à l'espace national. L'OAP garde l'OAP goumé contrebande par exemple, il est clair que dans la zone, n'a pas abouti tout. Et c'est là. Appui ensemble autorités régionales ont important, notamment autorités qui, dans le Sénat ou dans la Chambre des députés. Et donc ça, leur conjonction entre deux espaces nationaux, le législatif et l'exécutif,
c'est meilleur m'engager. Nous avons des actions menées tant dans Douane Belader que Wanamet et ainsi de suite. Et nous avons continué surtout avec le fait que nous sommes certains que nous avons appuyé ensemble le Parlement pour combattre ça à mener dans son ensemble. Pour ce qui a trait à la franchise, c'est vrai que franchise a 10 milliards, mais quand je ne t'ai pas expliqué, il y a des franchises qui baillent, c'est dans le cadre de engagements internationaux l'État haïtien, donc on ne peut pas retirer, c'est des engagements réciproques de l'État haïtien, particulièrement les franchises diplomatiques. Donc, il y a des franchises qui baillent, c'est par rapport à la loi sur promotion d'investissement, et c'est ça, président de la commission en table d'île. Il faut que nous gardions, premièrement, est-ce que les franchises ne sont pas trop généreux, et est-ce que le résultat est probant. Résultat probant, ça veut dire, est-ce que comme vous perdez, qu'on ne peut pas collecter, hein, est-ce que c'est comparable à montant qu'on rentre par rapport au travail qui t'a créé, par exemple. Donc, c'est des éléments que nous avons approfondis ensemble tout pour nous garder si il y a des textes de loi pour gagner pour amender. Notamment, texte de loi sur promotion d'investissement, c'est nous avons gardé. Gagner des franchises qui battent des institutions non gouvernementales, notamment les ONG, là encore, il faudra bien comprendre si, et nous avons dit, qui efficacité action institution non gouvernementale ça yo, et est-ce que niveau d'activité que a peine, est-ce que li n'ta ka di et permettre justifier franchise ça qui accordé a. Donc tout ça yo, c'est des éléments que nous pral approfondir ensemble. Et dans cadre et n'ta ka di lutte contre on t'a qu'à dire sous-taxation. Oui, d'accord, fiscale. Faute fiscale, sous-taxation, tout ça. Là encore, nous gagnons en vision commune. Nous mettons en évidence action qui déjà initiée depuis octobre dans le cadre et faute fiscale là, combattre faute fiscale là. Et nous montrer que dans le cadre de faute fiscale là, nous prenons aller tout vers un élargissement assiette. Donc c'est peut-être ça DGI qui a une attitude, une approche qui est particulièrement agressive. Et approche a fait que nous avons dit gagner des institutions, mais des associations régionales qui déjà relèvent parce que DGI ont déjà trop présent, pression. Particulièrement DGI Douane, gagner en intercommunication de base de données qu'a fait, qu'a pas le permettre. Nous, au niveau commission financière, nous pensons que décision gouvernement prend pour que toute transaction FAPCA utilisée, Goudoua n'a payé ça. Soit aux États-Unis, vous obligez d'utiliser dollars américains, soit aller en Europe, vous obligez d'utiliser euros, même si vous avez dollars américains. Rien qu'un côté à l'acheter, il n'y a pas accepté et dollars américains. Nous sommes obligés de rentrer dans la banque pour convertir dollars là en euros et bien pour acheter. Donc, même j'en tout, nous voyons que c'est deux bons temps que la société haïtienne a utilisé monnaie par là qui est monnaie nationale. Bon, il y a un économiste qui voit que tout de suite ça a des incidences négatives. Moi, je pense que ça rentre dans le cadre pour valoriser monnaie nationale là pour permettre tous les citoyens beaucoup de bon tel produit et bien ou besoin tant de dollars américains. Donc là ça on va obliger à l'acheter. Qu'est-ce que ça commet comme conséquence? Des fois lors de l'entreprise ils ont fixé tout le volet et ou qu'on devait acheter montant comme que produit à vendre de manière réelle. Et là ça ça va permettre une série d'entreprises qui pourront malin plaisir pour faire vendre produit à beaucoup plus cher que donc, l'encadrement, c'est une très bonne décision pour que tout le monde adapte à la décision de l'État. Cependant, puisque nous avons un forum économique sorti en note, côté que nous montrer que ce n'est pas bon pour l'économie, nous, même au niveau de la commission financière, avant longtemps, nous pourrons demander un compte avec le forum économique pour que nous analysions plus en profondeur
inquiétude par rapport à la décision. Ça. On m'a bien, le point est dollar, même la goutte là, c'est des produits, c'est un marché lié. Sous une goutte, c'est qu'on gagne dollar. Sous un dollar, c'est qu'on gagne goutte. Donc, même pas de problème au niveau des questions de devises. L'essentiel, c'est que l'État haïtien doit prendre responsabilité pour investir dans le pays, pour augmenter le niveau de production dans le pays, pour l'exporter, pour permettre eh bien, plus de devises rentrer dans le pays. L'État haïtien prend responsabilité pour que l'État décide pour nous utiliser le monnaie national là. En même temps, que l'État haïtien va mettre des instances de contrôle qui va gagner pour faire parcours tout marché pour veiller à ce que les gens soient respectés. Et moi, c'est que là, pour une décision dans le président, après qu'un pile monde est content de décision, c'est par la suite qu'il va avoir les effets positifs de cette décision. Vraiment, il y va de l'autorité des pays. Là, on peut écouter qu'on ne connaît pas exactement avec qui monde est. Eh bien, sous vous voulez un restaurant pour acheter, et là, vous voulez un restaurant, vous voulez ici, nous va utiliser good, ici, c'est de la nous utiliser, dans cela, vous avez un déséquilibre, vous avez une situation de stabilité pour les citoyens, et avec des ça, tout le monde a connu à chaque fois que vous avez un produit pour l'acheter, vous connaissez ces good pour gagner. Donc, si le produit, par exemple, vous fixez pour en good, eh bien, vous arrivez, en toute transparence, vous avez bien, vous avez besoin de tant de good. Mais là, vous fixez tout produit en dollars, eh bien, il y a une incertitude pour côté citoyen. Des fois, on doit prendre un dollar, c'est 60 gouttes de vente, et puis l'arrivée, eh bien, tel côté, dollar, c'est 65 gouttes. Tel côté, arrivée, c'est 66. Donc, là, ça, pour le citoyen, est beaucoup plus à l'aise pour faire transaction de manière normale sans qu'il n'y ait aucun problème. Le gouvernement n'a pris aucune décision parce que la constitution est claire. La monnaie nationale, c'est la goutte. En plus de ça, il y a un décret 89 qui était déjà dit, toute transaction supposée faire. Un bout, même un petit genre étonné pour me dire de l'arrêté quoi, parce que c'est des bails qui existaient déjà, peut-être que l'arrêté a venu rappeler et sa constitution a dit, venu rappeler qui ça qui dit dans le décret 89 là. Donc, force est de constater que ça fait un pile de monde dans des notes forme économique secteur privé. Donc ça m'a dit qu'il faut que je chita. Parce qu'on va quand même dans le pays tout pour obtenir un goût, pour payer un carreau en dollars américains. C'est une décision qui ne peut pas être comme si Mdazou automatique parce que nous avons 30 ans là violer la loi parce que c'est un pays qui fait à peu près. En 2017, 4,7 milliards de dollars d'importation sont pays côté nous importer en pile. Donc il faut dire que c'est pas une décision qui pourra appliquer aussi rapidement. Parce qu'il faut un dialogue, il faut bon moratoire qui baille. Parce que rapidement, tout le monde qui commence à faire spéculation sur le marché. À même l'État a fait spéculation. Parce que moi, je vais mettre n'importe là. Désormais, si vous avez 2 dollars américains, vous êtes capable de faire passer à 150 gouttes. Donc, 1 dollar américain pour mon gars travail dans n'importe là égal à 75 gouttes. Rapidement, nous avons une spéculation. Et obligé de faire un temps pour la loi dit, président. Non, je ne vais pas parler de un temps pour ça, la loi dit. Mais la loi, c'est le monde qui fait pour l'application. La loi avait déjà existé. Donc, arrêtez à pas porter un renouveau. La Constitution a dit, monnaie nationale, là, c'est good. Décret 89 l'a déjà dit. Prix de afficher un goût. Donc, pas de nouveau qui peut être, sinon, il y a une volonté de gouvernement pour faire respecter la loi. Nous sommes en économie. En économie, si Haïti a un marché boursier avant rien, donc Haïti gouvernement a tout fait marché boursier à crash. Même j'en ai parlé de stabilité politique, il faut une stabilité économique tout. Donc, je dis à des gens qui prennent. Qui presque fait sa partie de coutume, qui prend malin plaisir, par exemple, à 20 000 assurances en dollars, etc. Donc, c'est des gens qui créent des jobs dans le pays. Il faut entendre. Moi-même, ma position est du côté de la loi, mais pas grand-chose qui empêche nous jouer en accord ou désaccord. Nous, c'est ça que fait pour la société démocratique. Pour toi, là, pas trop fort, merci, président. Bon, décision par moi, sont décisions qui sont censées connues déjà. Parce que moi là, ce n'est pas un coup de zèkle qui fait qui mette un député, ce n'est pas un coup de l'oreille qui calme là. C'est Pep Okay et Pep Ilavache qui décide de voir un député pour me défendre ça qui n'a intérêt. Je dis par exemple, un petit malheureuse qui a touché 500 dollars par mois, ou bon, 2500 ou bien 500 dollars haïtiens, j'en m'en dis là. On a touché 2500 gouttes. Il peut être un côté là, l'acheter un bagage, il dit 10 dollars américains. Moun nan premièrement,
li pon kalot parce que j'ai le viré dans vel pas comprendre ça et dit pour bon dollar américain de gain 65 goud au moins laissez mettre mon dans confusion parfaite parce que mon travail en goud voilà que je viens acheter ou mandé pour payer en américain. Moi par exemple on était en France, on était besoin de un câble dans ordinateur qui a un problème avec une batterie mal achetée, le m'rivé dans magasin le mal acheté. Là on devait ton rescope en américain. Mon père, il n'a pas accepté de toucher. Je suis obligé d'aller à la banque de change pour m'acheter euros pour me venir payer pour le capon comme là même. Mais en Haïti, son pays tout l'argent. Ou bien euros acheter avec elle, ou bien américain acheter avec elle, ou bien peso acheter avec elle, ou bien franc acheter avec elle. Donc définitivement, si on est en Haïti, s'il parle de la constitution pour que la monnaie nationale c'est la goudre, on ne sait pas jamais qu'on est Haïti d'Haïti. Tout bagaille fait dans toute notre devise, tout notre pays. Et c'est celle dans le pays d'Haïti, ça fait comme ça. Qui ça, ça fait? Ça vient d'encourager l'inflation. Hein? Parce que là, parle de spéculation, spéculation, son bel mot. Son bel, bel, bel mot. Mais moun qui parle dans gros livre, et grand, moi, grand papa, maman, papa, et tout si malheureuse qui vivent, qui vendent dans le marché, quoi, beau salio, en bas, qui fait. Qui j'ai pas fait comprendre ça, ça veut dire spéculation. Spéculation, c'est l'idée même du bénéfice. Le fait qu'on ait une idée fait bénéfice avec yon l'argent, son problème. C'est que au monde a un dollar américain, il dit la vendre dollar américain ça, l'acheter 60 gouttes, la vendre 65 gouttes, la fait 5 gouttes sous lui. Donc c'est ça même qui sous ce problème. Non, idée côté que yon ensemble de monde considère l'argent comme un commerce. Yon prend l'argent, yon achete l'antel valet, comme yon vendre encore pour faire bénéfice. Là ça, monde qui vendre li bon pour monde. Non. Mais malheureux, malheureuse, kap touche en goud yo, population, hein, eh bien, gen moun même qui pap même fait un piace, c'est moun kap fait le cadeau, qui j'en la fait vivre lui-même. Pour supporter et décision et gouvernement prend pour toute transaction ou fait en goud. Moi, supporter décision gouvernement prend pour toute transaction ou fait en goud. Maintenant, c'est qui j'en pour le kembe en termes d'application. Donc, qui j'en pour le kembe en termes d'application, c'est que vous connaissez un paquet d'hommes d'affaires, des grands hommes d'affaires, grandes femmes d'affaires, et bien qui te gagne ensemble de marchandises que vous avez commandé déjà, et bien grand stock, et bien dans l'argent américain. Côté que Mounsayo, je pense que vous avez une date moratoire devant vous pour vous écouler les marchandises. Et puis, en attendant, en République là et moun sa yo même qui a fait business en pays ou qui a toujours besoin de fonds par la vel si yo mande le parler président lui-même m'pense la preuve pour chita avec yo soit le cap et joindre nous entente avec yo sur yon intervalle et côté que pour faire la loi appliquer dans tout un bien capable dit rigoli parce que nous loi pas marcher sans sanction. À la minute où m'a ton côté dit mon bagage vendre $10 américains automatiquement m'carré le commissaire du gouvernement qui c'est chef de l'action publique pour mettre action publique en mouvement contre mon ça qui dit me vendre $10 américains automatiquement m'a ton centième terre dit me centième dans vendre $2000 $3000 américains automatiquement supposé carré le commissaire du gouvernement pour mettre action publique en mouvement contre mon ça parce que gagne une loi et bien d'application parce que pas bien constitution te gagne dit la monnaie nationale c'est la goud mais comme te gagne dérive et bien gagne une décision du gouvernement. Eh bien, qui sortit de manière formelle pour venir exiger l'application de la loi, ça, eh bien, tout le monde qui viole, ou supposé faire face avec la rigueur de la loi. Mais donc, c'est un bagage, moi-même, moi appuyé, moi renfermé d'un double tour là-dedans, parce que nous pas travailler en dollars, c'est en pièce. Peuple à travail. Ça qui arrive moi-même, me touche plus qu'on l'autre monde dit mon bail vendre $1 américain ça pas fait mal. 1000 monde et reste puis fort population lui même cap souffrir, cap toucher en goudou bien pas toucher dit tout cadeau fait le cadeau. Et bien faut penser à masse monde ça eux-mêmes qui gens après vivre les toute bagarre dans pays arrive vendre en américain en euro en l'autre monnaie pays lui-même il pas fait. Et pour un pile monde qui a fait pays, pour un pile monde qui a fait cité et pour pile monde qui a construit pour la génération montante ou encore la génération future. Et fin de comprendre, je dis à même arrêter qui prend. Et pour moi-même, c'est un bas bravo. Un bas bravo parce que je me sens que j'ai une participation, un rôle pam pour jouer dans la construction paysage. Et parce que c'est une bagarre qui permet au moins et la population quoi de Bokéa encore qui c'est patron nous. Et je vous dis ça. Et moi-même, je suis libre pour me dire la vérité, pour me parler pays, pour me parler cité, parce que c'est la population ça qui permet nous là. Et il faut au moins nous parler pour bien-être des populations, pour nous parler pour bien-être pays, nous, pour nous parler pour bien-être communauté. Je pense que moi-même, je dis arrêter ça, c'est pour nous
et surtout la constitution haïtienne à reconnaître et monnaie nationale, non, c'est la goutte. Je pense que il de prend trop de temps, l'État même prend trop de temps pour au moins te mettre. Et d'ailleurs, je pense que aujourd'hui, c'est nous-mêmes comme députés et sénateurs, comme les parlementaires, et nous gagnons pour au moins nous renforcer et arrêter ça, c'est permettre au moins nous gagner une loi d'application qui pourrait permettre au moins, quel que soit le monde qui, quel que soit le contrevenant de loi, ça ou c'est de loi, mais je dis à me penser, et si nous avons une loi d'application, ça va permettre au moins nous comprendre, et quel que soit le contrevenant, il y a une peine qui est réservée pour lui. Je pense que je dis à pas de monde qui est au-dessus de tout, et si nous sommes d'accord pour nous construire le pays, si nous sommes d'accord pour nous faire citer, moi-même, mal à Corée du Sud, je n'ai même pas capable de lancer comme là, malgré ces dollars. Je vais là dans le pays voisin. Mes dollars, même mes gouttes, même pas qu'à dépenser gouttes, là, pas qu'à dépenser dollars. Bon, c'est peut-être strictement réservé pour au moins mon ami acheter avec monnaie nationale là. Bon, c'est, je dis à ma dit bravo. Au qu'on y va au côté là, ou à acheter un bagage quelconque et puis mon ami dit que lui mettait le nom Topal. Chaque monde sur marché a un Topal. Bon, c'est je dis là pour moi-même. Et il y a pile monde qui pas content, peut-être c'est parce que monde li croit dans des ordres, li pas croit dans pays, li pas croit dans construction. Moi je pense aujourd'hui à si n'a construit pays, si n'a fait cité, si n'a quitté un bagage pour nous chaque qui là nous gè petit nous qui grandi dans pays ça, au moins il faut une stabilité politique, faut que nous une stabilité économique. Bon, ça déjà pas bon pour moi, là toujours été pas bon. Ça dit donc vous pouvez demander là. L'État est chef, il a une décision. Par contre, c'est parce qu'il est là pour le pays qui fait la bonne décision. Tout ça, l'État fait, toute décision, l'État prend, parce qu'il est là pour le pays. Et donc, vous même appuyez l'État ici? Bon, je ne vais pas dire appuyer, mais l'État grand monde. Il a une décision. Décision l'État prend, l'État a dégagé pour le bas nous ça pour nous faire parce que c'est là nous cherchons l'argent manger petit non, l'argent manger madame nous, l'argent pour nous payer caille. L'argent pour nous payer caille. Décision l'État prend, l'État a dégagé pour le bon travail pour nous faire parce que c'est ça que nous manger, bah nous payer caille pour nous. Ça dit, ça, vous sentez ça après une frustration là quand nous bien? Moi je sais ça pas bon même pour nous, ça pas bon même pour nous non? Ça pas bon même pour nous parce que si dollars va circuler dans le pays, il pas bon même pour nous. Qui ça n'a fait nous-mêmes? Qui ça l'État voulait nous faire? C'est ça que les petites nous mangent, madame nous mange. Ça l'État voulait nous faire. Oui, il faut l'État d'un côté pour nous mettre nous pour nous vivre, faut nous à l'aise. Il faut nous capable de vivre à l'aise parce que dans la vie, nous vivons. Combien de temps vous avez dans le business? J'ai 15 ans là-dedans. Je suis ici. Décision ça, je pense que c'est au moins qui pour aider le pays nous à avancer et cap bon pour le pays en tout. Parce que si tout ça n'a pas acheté, un dollar n'a acheté, la vie a des jours, c'est Michel, la vie de Michel. C'est une meilleure initiative qui va déranger dans aucun sens. Ça veut dire que si on ne peut pas jamais que mon décision n'est pas mauvaise, ou est son décision qui est bonne pour le pays? Oui, son décision qui est bonne pour le pays. Parce que moi-même, je ne peux pas avoir une tête, moi, je peux pas ici, la population ici. Et qui sont compte faire après ça? Bon, normalement, étant que. Yon haïtien qui vit dans le pays, qui a un esprit de leadership, qui connaît, qui apprend à créer, ce n'est pas seulement ça qui est le business qu'on a fait, nous avons créé des idées de l'autre business. Donc, moi-même, je suis d'accord que le business a recouvré parce que par rapport à des dollars, qui va se qu'il est à main, ça va empêcher nous-mêmes nous vivre parce que ce n'est pas ça nous gagnons. Hier matin, moi-même, j'ai décrit, même j'ai commissaire gouvernement, et depuis hier matin, nous mettons au travail. Parce que son mineur, son petit monde, c'est important pour nous. Dans quatre contacts que nous avons fait avec Zami, il y a un monde qui dit il y a un monsieur qui a un numéro, qui a tel numéro, qui dit il y a un petit monde dans le côté. Je dis comment ça va faire? Dis monsieur, moi-même, j'ai fait contact avec le commissaire gouvernement, dégagez-le. Si vous avez un policier, font policier campé ensemble avec lui, nous avons fait des marches pour nous venir.
effectivement, je me dis numéro de téléphone, non, je me relais monsieur. Monsieur a dit oui, sénateur, je me fais confiance, je m'attends nous derrière rendez-vous 33 ici à Rélie. Nous faisons échange ensemble avec lui, tout en route, là, lui accepte ensemble avec nous pour nous venir. L'arrivée là, nous avons un téléphone, nous, téléphone nous éteint. Nous avons un côté pour nous aller. Mais puisque il y a pile policier qui est là, le commissaire est arrivé, nous avons prêté un juge de paix. Au moment où nous avons monsieur, madame, non, pas mais madame, non, qui est un petit non. Non, mais lui, et qui est un petit avec un papier bien être social et de recherche. C'est-à-dire un garde provisoire, un petit non. Nous voyons que madame Natal dans BPM, dans DCPJ qui mène dans bien-être social, il y a un petit jouet non. Alors non, parce que le mineur, il est Christelle Esther, il y a 7 mois, et puis madame Nan gagne garde petit non. Comment le fait gagner? Parce que maman semble être pris dans l'église que les Shalom, et que elle pour lâcher son bagage, et puis 12 février, elle ne va jamais tourner. Il y a le petit monde, il y a là avec lui dans Delma 33 dans le commissariat, il y a le BPM, il y a le bien-être social, il y a le petit monde, de manière provisoire. Maintenant, puisque maman t'a plaigné, maman t'a prélé, nous-mêmes comme autorité, moi-même ça t'est porté dans le cœur. L'homme t'attendait, le commissaire gouvernement, comme travail, protecteur des entités vulnérables, les mêmes tout, que t'a chiré, et bien nous jouons ça, nous disons bon, merci mon Dieu, nous jouons ni, qu'on y a fait suivi juridique pour que nous soyons capables de finir avec la question. Nous gagnons et une madame qui était dans la radio et à travers la presse qui était au courant gagne un petit monde qui est perdu côté que madame Zaté allait dans activité l'église qui gagne dans Shalom qui est les jeunes il a toujours fait entre eux et puis il dit que petit monde était perdu depuis jour ça. Maintenant nous mêmes comme autorité responsable qui ça nous fait nous obligé rapidement ouvrir une enquête et nous avons gagné une équipe depuis hier moi même une équipe qui est en prêt qui t'a travaillé sur dossier et jeudi on des gros équipe pendant travail Shalom en même temps moi t'ai gagné des informateurs qui disponibles qui vous donnent des informations c'est comme ça nous gagnons un informateur qui indiquait nous que Timon Nanta dans Delma 31 c'est rue Maguana donc adresse là échappé moi pas songer li et puis nous rentrer en fait c'est à l'intérieur nous rentrer pour nous vérifier effectivement côté Simon là mais bon me dit rapidement depuis dehors depuis au courant qu'il était dehors il était temps porter madame là était temps porter Simon là pour nous dehors alors m'a dit tout pour me profiter remercier sénateur sénatus tout qui était et avec moi qui t'ai accompagné parce que nous avons des informations ensemble, mais qui côté que Timoun n'a maintenant, effectivement, nous jouons Madame Nakmen et Timoun n'a pas nous. Nous prenons soin pour mal regarder qui côté Madame n'a habité, dans qui caille qu'elle était, pour nous dire que Timoun n'a été. Moi, je viens avec là. Donc, moi, j'ai gagné tout maman et Timoun n'a grandi. C'est grand homme que tu as marché par les hein? Et au nom petit li. Donc, yo là, je prends le temps de yo, je vais auditionner tout le monde. À première vue, cette décision que je prends, c'est normal, c'est retirer Timoun à côté de l'IA pour me capable placer lui, soit remettre lui apparent, si m'estime que parent a une capacité pour et garder lui en attendant, ou bien prendre une décision dans le cadre de protection des mineurs que je vais placer de côté qui pour Timoun protéger en attendant. Sauf que, quand je prends le temps de tout le monde pour me connaître qui côté niveau responsabilité a puisque madame n'a dit c'est confié que madame cap chercher à grand-mère cap chercher a dit te confier lui or maman dit non lui même grand-mère elle dit pas confier ti moun avec personne cependant il t'est levé là dans toilette dans jeune kay monsieur et l'église Shalom donc c'est là m'a pral tant de moun tant de m pral gagner pour moi parce que Shalom là nous dit moi c'est son l'église son activité là protestant mais il grand responsable. Donc, on va l'identifier qui est ce qui est responsable de l'église Shalom Zaha. Il va le convoquer pour le capable de venir information dans le paquet.
Donc nous allons garder pour nous joindre, pour nous fixer responsabilité ti moun sa qui pendant maman ni dans la toilette li disparaît. Maintenant chance pour nous qu'on gen ti moun nan, la nouvelle c'est que ti moun nan nous gagne. Ensuite nous allons faire suivi pour nous chercher qui est qui gen responsabilité pénale dans question ça, parce que c'est sûr que li pral tombe dans traf enfant. Donc nous allons garder qui ça lié les plus semble avec un enlèvement des mineurs. Mais en attendant, je dois regarder moi comme technicien pour me pas dire qui s'allier, sauf que je vais prendre le temps d'elle puisque je vais tout le monde là. Moi gagne madame nan qui n'amène mon jeune Simon nan, moi gagne grand-mère et maman qui là. Donc m'a gagne assez d'informations et après me fin tande yo, fin verbaliser déclaration, moi le gagne pour me convoquer le responsable ou le représentant de l'église du Shalom pour venir répondre question là. Pas qu'à guetter déterminer qui est, même quand vous parlez de monsieur Muscadet qui serait le responsable de l'église, le représentant ou le pasteur ou le révérend principal. Donc c'est sûr qu'il parle pour répondre à une question de la justice, puisque c'est lui qui chef activité l'autre bois. T'as gagné des agressions verbales, montage. Une fois que Paquet a été informé et t'es gagné gaz ça qui gagne sacré les en faute, ça t'est stocké MT bay moun responsable dina sa yo jusqu'au 5 mars pour gaz sa te réembarquer pour réembarquer et retourner le côté le te sorti. Ou konnen l'état gagné comme te dit déjà obligation, en double obligation. D'abord faut qu'il encourage investissement, ensuite faut le protéger consommateur. Eh bien moi en mesure pour m'annoncer population hein, via la presse que Dinasa, et me doit comprendre ça tout. Écrit commissaire gouvernement, ça c'est requête que m'a montré nous là, qui écrit et dans requête yo a, yo mandé, yo n'a impossibilité pour bateau arriver dans délai que m'té accordé yo a, yo mandé moi pour capable ba yo on délai jusqu'au 10 mars le temps commissaire gouvernement comprendre puisqu'en tant que représentant de l'état au sein du judiciaire, faut que moi protéger investisseur. Eh bien, yo gagnen, yo en droit pour faire me demande là et moi-même tout, moi répondre positivement que me baillo jusqu'au 10 mars prolongation qui a été demandé le temps pour gaz là réembarquer pour retourner côté le sorti. Mais après non, la gon bagaille pour qu'on ait dans la justice nous fonctionner sous principe de la bonne foi. Principe de bonne foi, le fait que yo écrit dina ça écrit commissaire gouvernement pour le mandel pour le capable prolonger délai à pour lui jusqu'au 10 mars, m'a pas qu'à gagner temps préjugé pour me dit déjà que y a gagner s'il rivé. Maintenant ça qui est important pour moi connait a m'attend 10 mars l'arrivé pour me capable constater est-ce que yo même un yo montre que yo respecter décision de la justice, deuxièmement si m'a capable continuer fonctionner avec eux comme étant des organismes ou bien entités ou entreprises qui fonctionnent avec de bonne foi et qui respectent tout la décision d'État. Est-ce que vous écrivez pour dire d'accord? Non, mais oui, moi réponds correctement que moi. Pas d'inconvénient, notamment dans l'autre allonge, est-ce que pas qu'il y a pour vous dire accorder? Autant de fois. Ce qui est important pour moi, c'est éviter que le gaz soit commercialisé. Puisque les sous-cellés, donc c'est pour un gaz qui est commercialisé, ça veut dire moi dois comprendre. Parce que son bateau pour une brani, donc on va demander jusqu'au 10 le temps pour gaz à réembarquer. Nous connaissons dans la nuit du 12 au 13 février 2018, tu as gagné un incendie qui a éclaté dans le marché Hippolyte, que tout le monde dit marché enfer. Donc, suite à l'incendie, ça que nous avons ouvert une enquête. Pour qui ça? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un incendie, ou gagner deux hypothèses, quel que soit le pays, quel que soit société, quel que soit enquêteur, ou bien quel que soit commissaire gouvernement, il gagne deux hypothèses pour le viser. Un, est-ce que l'incendie est d'origine d'accident? Deux, est-ce que l'incendie est d'origine criminelle? Donc, nous-mêmes, enquête la li ouvert, n'a pas continué ou gagner paquet Port-au-Prince et DCPJ cap collaborer ensemble pour continuer enquête là. Entre-temps, monsieur Martin Bout t'a fait des déclarations. Et déclaration yo, c'était montrer que il t'a dit du fait à te prendre
dans Fatra et suite à Fatra il déjà nous gain deux hypothèses à vérifier. Nous pas qu'à accepter un simple individu ou bien un citoyen quelconque qui pas une autorité judiciaire, OK, pour lui capable gain temps à émettre des opinions qui ca constituer comme étant obstacle à enquête judiciaire. C'est pour ça nous t'est nécessaire pour nous déconvoquer Martin Bout, d'autant plus que Martin Bout a continué auditionner de la mesure où Digicel, comme yo dit, c'est yo qui était partie prenante pour construction marché ça. Donc yo même dit que c'est yo même qui était gagné question des agents de sécurité. Donc m'a prendre des précautions pour me pas dire toute bagaille puisque nous avons enquête cap marché, gagne des monde cap continuer auditionner, m'a pas capable nous toute information si ce n'est que paquet a été jugé nécessaire pour t'étendre auditionner monsieur et Martin Bout dans un premier temps pour nous te ka permettre nous gagner un ensemble d'informations puisque yo c'est des monde qui connaît qui dans fonctionnement marché a qui dans gestion quotidienne marché a et deuxièmement pour nous te capable tout faire le connaît pour faire attention à des déclarations qu'il a fait yo et pas cobaille donc une déclaration parce que il dit que lui-même il pas gagné il pas un expert dans question judiciaire il pas attendre que déclaration ne t'a déranger enquête judiciaire. Donc d'abord lui expliquer nous qu'il gagne des informations qu'il ba nous même pas ka di là dans cadre d'enquête là mais en même temps lui dit nous tout la collaborer avec la justice qui pour permettre que nous arriver à résultat enquête là. Prélude à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, j'ai laissé l'honneur de vous accueillir ce matin à notre atelier sur les défis et enjeux en apprentissage des métiers non traditionnels en Haïti. Et au nom du gouvernement Moïse Lafontaine, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je tiens à saluer la présence des représentantes et des représentants de nos partenaires. Vous toutes et tous qui avez supporté et supportent inlassablement le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes dans sa longue mission transversale pour l'égalité femmes-hommes. J'adresse une salutation spéciale au Centre d'études et de coopération internationale, ceci, qui œuvre pour un mieux-être des jeunes filles et femmes, en les orientant vers des professions plus porteuses, les métiers couramment appelés non traditionnels, et en les supportant jusqu'à leur insertion sur le marché du travail. Je ne peux omettre de saluer et remercier la section professionnelle de Canado Haïtien, couramment appelée Canado Technique et également Haïti Tech, deux écoles de formation professionnelle qui se mettent au service du développement d'Haïti en préparant une génération de jeunes professionnels dont certaines, se lance dans des métiers non traditionnels. Aux membres de la presse ici présents, une presse quasiment omniprésente, sans laquelle nos voix seraient inaudibles et nos activités invisibles. Mesdames et messieurs, chapeau. Mesdames, messieurs, dans sa mission de promotion et de défense des droits des femmes, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a doté l'État haïtien d'une politique d'égalité femmes-hommes en 2014. Comme il a été convenu lors de sa création le 8 novembre 1994, cette politique, issue d'un diagnostic national sur les inégalités de genre, a fixé des orientations qui puisse favoriser
l'efficacité des droits des femmes sur le plan économique, social, culturel et politique. Il existe bien des barrières à l'égalité de genre en Haïti. Et les stéréotypes et les préjugés qui les engendrent s'érigent en un système de freinage, difficilement contournable, mais heureusement pas impossible. Vous en avez déjà les preuves, mais au cours de cet atelier, la présence de jeunes filles exerçant des métiers non traditionnels en est encore une. Mesdames, Messieurs, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée cette année sous le thème « Activistes de Porto, il est temps de transformer la vie des femmes, agissez ». Oui, la course vers l'égalité est longue, mais nous irons lentement, mais sûrement. Oui, il nous faut transformer la vie des femmes pour parvenir à l'égalité femmes-hommes. La politique et le plan national d'égalité en a déjà tracé la voie à suivre. Heureusement, face à l'éducation sexiste et des modèles inégalitaires, nous pouvons concevoir ce qui constitue leur intérêt stratégique. Avec nous joie, nous la mère, nous la femme, nous le vautour, nous la tempête, rien de plus fort, se sentir femme, notre béatitude, c'est d'être femme, tout le monde la la la, la la la, la la la. Qui t'est tombé, me dirait dans le monde. On est à Mireille, je vous suis Bertin. Père à vous-même, béni. Père à nous tous. Son grand cérémonie qui fait aujourd'hui pour être capable d'honorer jeune fille qui était d'accord pour apprendre le métier non traditionnel. Et combien de disciplines vous avez gagnées dans la séance formation? Bon, dans la séance formation, ça, moi-même, c'est hydro-frigo, moi tu appelles hydro-frigo électrique, tu as dans la technique Windows, tu as réparation cellulaire, tu as réparation motocyclette, tout. Menuisier, tu as la dans tout à IT Tech. En total, combien de jeunes qui vivent honorés, je ne veux dire, dans la formation, dans la qualification? En tout, il y a 30 jeunes qui ont participé dans la formation. Ça. Est-ce que nous toute l'année nous sommes aujourd'hui? Oui, nous tous avons un certificat, mais nous avons participé là. C'est juste vous mettre un certificat? Non, nous avons un certificat avant ça. Si longtemps, nous toujours un penchant pour le métier non traditionnel. Parce que moi, souvent, les filles qui apprennent le métier de secrétaire, il y a le métier pas facile, le travail facile. C'est pour ça que moi-même, j'ai choisi d'apprendre électromécanique. Nous sommes fiers. Et puis, je apprends bien, je apprends un peu l'école, je suis fière, je suis à travail. Je suis bien là-dedans. Est-ce que tu as un encouragement pour côté femmes aux amis quand tu apprends un métier ça? Bon, beaucoup de monde ont déjà un encouragement, mais beaucoup de monde ont déjà dit que métier garçon, ça peut être du là-dedans. Moi-même qui t'ai aimé, vas-y. C'est un programme qui est lancé dans l'année, début de l'année 2015. Son projet qui est financé par Croix-Rouge haïtienne et Croix-Rouge américaine, qui était visé à former des jeunes, mais en particulier des jeunes femmes dans des métiers non traditionnels, c'est-à-dire dans des métiers que ces garçons plus qui font. Le projet ça a duré 3 ans, il est fini en janvier 2018 et il était avec 3 grands objectifs. Forcer entreprises qui existaient déjà, ou bien aider les jeunes à monter des entreprises dans Katia. Deuxième objectif là, c'est former des jeunes pour capable permettre d'entrer dans le marché du travail là. Et puis troisième objectif là, c'était renforcer, en fait, améliorer l'image du quartier Cafoufeuille. Parce que le quartier Cafoufeuille qui était gagné il y a cela quelques années, une mauvaise réputation.
Donc pour nous faire deux objectifs premiers et réalité, il faut travailler sur le troisième objectif là, qui c'est améliorer l'image quartier. Donc à la fin du projet, nous arrivons et démettre sous pied environ 32 petites entreprises dans le quartier, accompagner 102 entreprises qui existaient déjà, former des jeunes en entrepreneuriat. Et puis dans le deuxième objectif là, nous arrivons à former 841 jeunes dans différentes filières de formation, avec environ 8 centres de formation, tant que IT Tech, Canada, Diesel Institute, École Hôtelière, HAC, etc. Nous formons parmi 841 jeunes SAO qui travaillent dans plusieurs entreprises dans le pays. Pour nous arriver et faire, permettre aux jeunes SAO d'entrer dans le marché du travail, ce n'est pas facile. D'abord, formation, tu es obligé de formation et adaptée à jeunes SAO qui sont dans les quartiers défavorisés. Nous sommes obligés de tout permettre aux jeunes SAO de trouver stage. Donc parmi 841, il y a 611 qui trouvent stage dans environ 100 entreprises. Donc, remercier entreprises SAO qui ont accepté d'accueillir jeunes SAO pour nous dans le stage. Et parmi 611 jeunes SAO, il y a 167 qui travaillent, dont plus de 90 jeunes femmes. Et il y a 128 qui ont même fait auto-emploi. Ils avaient dû travailler à propre tête par eux. Ils ont fait des petits jobs là, quand ils sont capables ou bien ranger un climatiseur, ou bien réparer une machine, etc. Donc, je vous dis, nous avons des jeunes femmes surtout qui forment dans différentes filières de formation, tant que soudure, électricité, électromécanique, télécommunication, maçonnerie et chitrock. Puisque nous-mêmes, formation, nous adapté à demande de marché. Nous pas surtout tant qui formation jeune nous voulons apprendre, nous avons surtout gardé qui formation, qui employé et entreprise va chercher. Donc perspective là, c'est continuer à accompagner l'autre jeune qui pour trouver stage, continuer à accompagner les jeunes qui trouvent stage mais qui pour trouver travail, soit pour entrer dans notre entreprise, soit pour monter propre entreprise par eux, pour être capable de travailler avec tête par eux. Parce que nous avons fait un choix tout et dans la formation, chercher formation qui permettent que les jeunes soient autonomes le plus que possible. C'est-à-dire, nous avons 15 jeunes formés dans la réparation cellulaire, qui est papillé dans la capitale là, qui ont des propres cursus, qui a pris un téléphone. Donc ça permet aux jeunes qui lui-même l'autonome, il n'a pas besoin de travailler forcément dans l'entreprise. Il y a des jeunes qui apprennent l'électricité, après formation stage, nous avons un kit d'outils. Kit d'outils, ça permet que les jeunes soient opérationnels tout de suite. Donc il n'y a pas besoin de jeunes femmes surtout. Donc, plus fort les jeunes qui forment dans le programme, c'est les jeunes femmes. Donc, jeunes n'ont pas besoin de tant que c'est une entreprise qui bat un job. Dans le quartier côté à vivre là, dans le quartier côté à habiter là. Mais nous, nous connaissons qu'ils apprennent le métier ça et puis ils ont le service. Ça permet que les jeunes gagnent l'argent et soient capables de défendre tout. L'ANP, comme creuset du savoir et du savoir-faire policier, se veut désormais le champion de la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles. C'est pourquoi, fidèle à ce noble objectif, elle a jugé opportun de réunir une fois de plus toutes les parties prenantes en ces lieux. En prélude à la Journée internationale de la femme, pour poursuivre la réflexion et mieux comprendre les enjeux et défis associés à cette problématique de violence qui touche cette importante partie de la population haïtienne, voire mondiale, afin d'aboutir à des stratégies de lutte efficaces et efficientes. Aujourd'hui, l'heure est venue d'entendre d'autres voix, celle des acteurs de proximité, à savoir les responsables de cellules départementales, qui vont nous apporter la perspective de terrain pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène dans nos villes et nos campagnes. Car combattre ce fléau ne peut se résumer à une stratégie qui ne tient compte que d'une perspective métropolitaine de la question. La police nationale, fidèle à sa mission de protéger et servir, veut créer en collaboration avec les autres acteurs nationaux un environnement favorable, plus ou moins libre de toute forme de violence qui entrave l'émancipation des femmes et des filles à l'échelle nationale. Et comme l'expriment
un vieux adage. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ou encore, nul ne peut donner ce qu'il n'a pas. Avec l'autorisation du directeur général, un projet qui lui est cher, celui de mettre en place une classe intégrée, devra contribuer à la préparation des femmes cadres de la PNH pour participer dans de meilleures conditions au concours aux différents corps inspecteurs et commissaires de la police nationale en vue de réaliser l'objectif fixé par le directeur général d'augmenter la participation des femmes parmi les cadres de la PNH à au moins 12%. Chers amis, c'est l'occasion encore une fois pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à faciliter la réalisation de la journée d'aujourd'hui pour mettre ensemble tout ce beau monde pour continuer la réflexion afin de dégager des stratégies efficientes et efficaces pour parvenir à des solutions durables pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles. Encore une fois, je vous souhaite une bonne participation et que ces échanges soient fructueux et apportent du plus pour la police nationale dans le cadre de sa mission. Merci beaucoup pour l'introduction. Permettez-moi avant tout de saluer certains membres ici présents aujourd'hui. Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, monsieur le chef de cabinet du directeur général de la police, monsieur le directeur de l'Académie nationale de police, madame la représentante de l'inspection générale en chef, mesdames, messieurs, élèves commissaires, mesdames et messieurs les coordonnateurs et coordonnatrices des services départementaux contre les violences basées sur les genres de la PNH, madame la coordinatrice de l'URAMEL, mesdames, messieurs, représentants du consortium responsable de la mise en œuvre du projet FIPCA PNH, c'est-à-dire CRC SOGEMA, Collège de Maisonneuve, Université de Sherbrooke, Université Bois-Greffin, Monsieur le représentant de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour tout le monde. C'est en effet avec un grand plaisir que j'ai joint ma voix à celle des organisateurs et partenaires de cet événement, de cet important événement, pour vous remercier d'être présent dans le cadre de la journée des réflexions autour de la question de violence faite aux femmes et aux filles qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Cette journée offre l'occasion de réunir les forces vives des personnes clés qui ont la capacité d'agir à différents niveaux, qui font face aux femmes et aux filles violentées tous les jours et qui ont une expertise sur la question. Comme vous le savez, et êtes convaincus, la violence contre les femmes constitue une violation des droits humains et des libertés fondamentales, en même temps qu'elle impose totalement ou partiellement des restrictions à la reconnaissance, la jouissance et l'exercice de ces droits. Cette violence est présente au sein des familles, dans les écoles, dans les organisations sociales, politiques et privées, et même dans la mentalité, souvent reconnue à travers le mur, certaines expressions artistiques qui la prônent ou la dénoncent. Permettez-moi de souligner que le rôle des représentants de la police est essentiel, et je répète, est essentiel pour soutenir les femmes qui ont le courage de dénoncer la violence dont elles sont victimes. Monsieur le directeur général de la PNH, monsieur le directeur de l'ANP,
Je salue votre volonté de faire de la police nationale une force de changement pour améliorer la place des femmes dans la société civile. Monsieur le directeur général, permettez-moi de saluer votre volonté de pouvoir inclure et de pouvoir renforcer le concept des droits humains dans la formation, monsieur le directeur de la police nationale également. Saluer également votre courage d'avoir pris position sur ces thématiques qui sont très importantes, qui sont nécessaires, et aussi de la vision que vous avez apportée au niveau de renforcement de la professionnalisation de la police. Et d'ailleurs, j'étais très, très heureux à un niveau de 12%. C'est vraiment une excellente nouvelle et merci beaucoup pour ces efforts-là. Donc, avant de céder la parole, je tiens bien sûr à remercier nos partenaires de mise en œuvre et importants collaborateurs du projet FIPCA-PNH, soit le gouvernement haïtien particulièrement, la PNH et l'AMP, CRC-SOGEMA et les membres du consortium, qui, comme nous le constatons aujourd'hui, déploient tous les efforts nécessaires pour accompagner la PNH à travers l'AMP dans cette lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Un petit mot pour les élèves de l'école Greffin, qui en fait représente la relève. Et vous avez une lourde tâche qui vous attend dans le futur pour pouvoir aussi faire votre contribution à la police, à l'Académie nationale et bien sûr à votre pays. Mettez tes dieux ensemble pour yo di pa gen violence sous femme actifie en Haïti. C'est à la fois un plaisir et un grand honneur pour moi de posséder. On était ici dans cette salle quand de beaux esprits féminins et féministes s'étaient la salle. Après une pause d'environ 3 mois, nous revoici dans le même sentiment, pour les mêmes causes, dans la même ambiance de partage, avec à peu près les mêmes personnes. Cette rencontre constitue une activité qui peut s'inscrire dans un cadre global d'activités ponctuelles pour sensibiliser les esprits sur les droits de la personne en général, les droits de la femme en particulier. Nous sommes encore un pays où le taux de violence faite aux femmes est parmi les plus élevés de la région. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons faire quelque chose. Tout commence par une sensibilisation tout azimut. Cette activité s'inscrit dans cette logique. Je suis particulièrement sensible à la question des violences faites aux femmes, entre autres, du fait de la mission de protection. Mesdames et messieurs, je salue à cette journée que l'activité du jour est organisée. Elle vise particulièrement à provoquer une prise de conscience plus large de nombreuses violences dont les femmes et les filles haïtiennes sont quotidiennement victimes, que ce soit à la maison, au travail, dans les transports en commun, dans les rues, etc. Elle réunit entre autres participants tous les acteurs intéressés par la question, des acteurs de la société civile, des représentants d'organismes de défense des droits humains et des droits de la femme, des membres de la police nationale d'Haïti, représentant les 10 départements géographiques du pays, et des représentants de la communauté internationale. Pendant près de 3 heures, horloge, ces illustres participants vont produire des réflexions pertinentes et réalistes afin de sensibiliser et de motiver les esprits pour faire cesser ces violences, conduire à un plus grand respect des droits de la femme et réduire les inégalités entre hommes et femmes. Mesdames et messieurs, ici et ailleurs,
la situation des femmes n'est pas des plus enviables. Partout dans le monde, les violences envers les femmes représentent les plus criantes. Dans tous les coins de la planète et depuis toujours, les femmes sont battues, exploitées, harcelées, victimes de discrimination et d'autres traitements humiliants ou dégradants. En Haïti, le tableau n'est pas tellement différent. Mais la réponse de l'État à travers des institutions devrait se révéler pluridisciplinaire et multisectorielle. En effet, à l'article 3 du protocole d'entente entre le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le 27 février 2008, il a été entendu de promouvoir des activités de sensibilisation et de formation au sein de la PNH sur les problématiques de genre et de violences faites aux femmes. Des années plus tard, il y a eu des avancées certes, mais les résultats ne sont pas extraordinaires. Et pour cause, dans une étude publiée en 2012 sur la violence conjugale, sur un total de 514 femmes, 8,6% ont reconnu avoir été violentées durant les 6 derniers mois. Ce chiffre est naturellement moins élevé par rapport à aujourd'hui encore, malheureusement. Il y a des sociétés plus ou moins évoluées qui continuent de traiter la femme comme une entité négligeable. Dans d'autres, les hommes sont élevés avec une mentalité d'être supérieur à la femme. Certains croient que cette pseudo-supériorité les habilite à disposer du corps de la femme comme bon leur semble. C'est cet état d'esprit qui conduit justement au viol et à la violence. Et c'est justement cette mentalité qu'il faut changer. J'entends que la police nationale d'Haïti joue pleinement sa partition dans ce changement qui doit se produire. Toute activité pouvant permettre d'y parvenir est à encourager. La violence contre les femmes et les filles est une pandémie mondiale et constitue des violations des droits des femmes. Plusieurs conventions ont été ratifiée à cet effet par Haïti, comme la CEDEF, Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et la Convention de Belém do Pará pour l'UICOA. Selon l'Organisation mondiale de la santé, sont définies les violences faites aux femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelle ou psychologique, y compris la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. La violence envers les femmes et les filles revêt de différentes formes, telles que violence psychologique, les violences sexuelles, les violences administratives, les violences verbales, les violences physiques, les violences économiques et patrimoniales, les violences sur objets et sur animaux notamment, et enfin, les violences sur les enfants. Pourtant, ces formes de violence que nous venons de voir ne sont pas toutes identifiées dans la société haïtienne. Dans le temps, c'était les moyens utilisés pour châtier la victime qui choquait, et non la violence en elle-même. Par exemple, il n'y a pas de battre comme ça. Il n'aurait pas dû la frapper avec cet objet. C'est comme s'il dirait qu'il aurait dû prendre une matinette pour la fouetter au lieu de lui. C'est bien dit là. Ainsi, pour mettre un terme à cette pratique, des lois ont été votées, abrogées et d'autres modifiées,
comme par exemple le décret du 11 août 2005 modifiant l'origine des agressions sexuelles et éliminant à la matière les discriminations contre la femme. Les types de violences subies par les femmes du département de l'Ouest, plus particulièrement, sont multiples et de différents types. Elles peuvent être sexuelles, physiques et conjugales. Ces dernières regroupent toutes les formes de violence. Ce qui la diffère des autres, c'est qu'elles soient commises soit par un conjoint, un ex-conjoint, ou un petit ami ou un ex-petit ami. Cela ne veut pas dire pour autant que les autres violences, types de violences comme la violence psychologique, n'existent pas, non. Ces cas sont moins déclarés que les autres, mais ils existent bel et bien. D'être ici. Je souhaiterais commencer ces remerciements par un merci général pour l'association des penseurs réunis pour le développement de Keskov, qui avait pris cette initiative dont nous sommes l'école championne. Et aussi un grand merci de recevoir cette gratification récompensant un travail de longue haleine. Je remercie aussi le coach Sirius Divenson. Je remercie le député parce qu'il a tenu sa promesse. Tous les membres de notre équipe, Sarah, Detti, Taina, Karlan, Yuri, Richna et moi. Celles de la direction qui ont toujours été empathiques et qui s'en apercevoir en les premiers à tester nos capacités, nos idées. Je vais m'interrompre ici dans ce discours en ayant une pensée et conseil pour vous tous qui me regardent. Maître Alfredo Antoine, mettez-le ensemble à toute commune. Donc, bon gens collaboration avec Kazek, qui travaille tête collée. Nous féliciter. Grosse initiative ça matin. Quelle initiative nous? Initiative ça. C'est initiative moteur développement durable commune Keskov. Pour qui ça peut. Pour qui ça peut me dire moteur développement durable commune Keskov, c'est parce que éducation c'est moteur. Si pas de éducation, pas de rien qui a marché. Dans le pays. Mais nous félicitons l'initiative là, côté que les jeunes Sahara qui a formé, qui formé dans le domaine, qui va former dans le domaine de l'éducation. Et bien c'est comme ça tout, faut que nous gagnions l'autre monde qui formé dans l'autre domaine pour que pour communion qu'a avancé pour plus devant. Cependant, élèves, étudiants, pinga, nous prenons boussa pour jouer. Faut que nous prenions ça en considération. Et nous connaissons comment le pays a été. Et nous félicitons. Nous-mêmes, étudiants, si nous voulons l'école, faut que nous gardions ça, faut que nous ne gaspillions pas boussa. Étudiants, c'est pour la première fois que ça a fait la commune. Cette chose où ça a là, des 5 étudiants uniques qui sont étudiants université Kiskeya qui ont un bourse complet. C'est compliment. Et nous félicitons l'autre fois, honorable député, pour la collaboration que vous avez avec vous, côté nous de travail, tête collée, main dans la main, pour nous garder une belle commune. Nous souhaitons, honorable député, nous marcher main dans main, côte à côte à vous, pour nous faire communiquer ce qu'on veut.
Je suis heureux de vous accueillir ce matin à cette cérémonie de l'espoir. Espoir parce que côté éducation plantée, c'est un peu l'espoir qu'a bourgeonné pour éclater progrès à développement vital. Il est fier d'investir dans l'éducation des jeunes de Kinskoff. C'est ce qui a justifié ce programme d'investissement dans l'éducation mis en place depuis 2 ans. Nous faisons ça sans parfaitement, ça n'a pas évolué. Pourtant, il est important d'investir dans la jeunesse, surtout les jeunes doués d'intelligence, mais issus de familles d'autres conditions économiques. Nous choisissons de financer l'excellence dans la mesure de nos moyens, car nous n'avons reçu l'aide d'aucun secteur. Les écoles des 5 sections communales sont concernées. Mais nous retenons les élèves les plus brillants. Nous visons l'excellence. Le cycle primaire est concerné. Le cycle secondaire, philo, est concerné. Jusqu'à présent, nous avons une trentaine d'étudiants et d'élèves. Nous travaillons avec les universités Kiskeya, Notre-Dame et l'université de Port-au-Prince. L'institution Le Carmel sont retenus à date. Nos étudiants sont en droit, en médecine, en agronomie, en génie civil. Dans ce domaine, l'avenir est prometteur pour les familles de la communauté. C'est un programme qui nécessite de grands dépôts, mais nos moyens sont limités en dépit des difficultés. Nous ne cesserons pas d'avancer. L'avenir est aux jeunes qui prennent leurs études au sérieux. Comme religieux, nous avons une mission de témoignage. L'Église, mission palie, c'est de l'annoncer l'Évangile et dans les courants les plus reculés du monde. Et nous croyons qu'à l'intérieur de l'Église, là, dans le témoignage nous gagnons, c'était important que nous t'ai organisé pour faire ça. Qui te permette que, même Jean-Saint-Pierre dit, pour nous rendre compte, une réalité de pessimisme et d'haïtianisme qui a cap monté dans le pays là, qui fait un peu souffrir. Et nous voulons dire qu'à travers le message que nous devons aujourd'hui, Haïti est un jeune pays qui a 216 ans depuis l'indépendance, c'est pas rien. Ensuite, nous confrontons un problème d'éducation. Pour éduquer une population, on a besoin de siècle. Okay? Pour éduquer une génération, on a besoin ou besoin de 25 ans. Ça veut dire que donc c'est pour bagaille impossible qu'a été changé, bagaille transformé. Et nous croyons que l'école a un rôle important. Et c'est pour ça que nous t'invitons la presse, viens là, pour te rendre compte que comment l'école, il y a ses particuliers. Si nous ne savons que l'école là, il y a toute sa sociologie. Ce n'est pas seulement le français, là va apprendre mathématiques, anglais, mais la vie dans l'espace, quand est-ce que nous réalisons ça la terre. Nous nous vivons dans des philosophies. Donc, si nous avons un contexte pour nous vivre, c'est des professionnels qui réussissent, des anciens élèves ou bien des collaborateurs qui réussissent en économie, qui réussissent en médecine, qui réussissent en business, qui réussissent en affaires sociales, qui réussissent en agriculture, qui réussissent en potabilisation. Donc, c'est tout ça que nous témoignons tout le temps, nous confrontons à ça. Il y a des gens qui peuvent manger poule, mais c'est dans l'assiette URL. Si on a des possibilités pour le poule, pour le basse-cour, pour le toute qualité bête, c'est le contexte comme ça. Et je crois que nous n'avons pas besoin de visiter toute sa filmée. Et c'est ça, nous devons signifier pour dire aux Haïtiens qui pessimistent. Nous devons venir ici tout au monde, il n'y a pas de rien. Et pourtant, il était tellement cruel, il était investi, il est mort là.
Alors, et congrégation a gagné 42 ans depuis le travail depuis l'existé dans le pays. Fait un bilan de ensemble de réalisation nous fait pays. Bon. Réalisation, c'est que nous commençons dans le plateau central et comme je t'ai montré tout à l'heure, fraternité a occupé dans 5 espaces dans le pays, même à l'étranger, nous y est, en 42 ans. Et moi, je dis que nous avons un humain qui expliquait ça, sinon que bon Dieu était avec nous. Et puis nous avons un bon collaborateur avec d'autres monde qui étaient soutenu nous. Et nous arrivons à la conclusion que le développement Haïti sera un développement endogène. Donc c'est haïtien qui a développé, même si la dimension exogène est toujours possible, est toujours là. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous n'avons pas avancé vers la rupture, pour nous dire que faut nous arriver à un moment que nous sommes capables de monter ma chemise, non, et puis pour nous créer des conditions économiques pour nous capables de vivre nous-mêmes. Alors, congrégation, dans quel domaine nous travaillons exactement? Oh, nous travaillons dans l'éducation, nous travaillons dans la construction de la collinaire, potabilisation de l'eau, nous travaillons dans l'économie, nous travaillons dans la santé, nous travaillons dans la transformation de produits. Pour bagailler, changer, pour voler, pour bagailler aller à l'avance. Et c'est pour cela que, par exemple, nous-mêmes, nous avons un gros accompagnement, nous baillons tout au niveau de l'école d'entrepreneuriat agricole. En plus que nous accompagnons Timounio dans des cours que nous baillons au niveau de devenir des entrepreneurs, vrai, des vrais entrepreneurs, mais tout nous accompagner dans le montage de projets et puis trouver financement pour réaliser projets agricoles. Pas oublier que l'agriculture, c'est même pas un crédit facile au niveau de l'agriculture. Donc pour accompagner les jeunes, sinon j'ai vraiment ce deal là, dans pile qui n'a pas d'espoir, ils fin étudier, fin faire filo là, aller chercher un métier à faire. Et puis après ça, parce que de vous fin faire filo, parents pas vraiment penser que le gros responsabilité par rapport à vous encore. Parce qu'on finit filo. Maintenant, il faut venir au métier, on bagaille ou apprendre, qui permet tout, car non seulement pour souhaiter tout, et si vous voulez faire espoir pour la famille, pour que vous jouez un moyen économique, vous jouez une activité qui permette vraiment de prendre soin de la famille. Pour que vous pas seul espoir, c'est sauver quitter le pays, faire passeport sauver quitter le pays. Après plus passé yon l'année réflexion, sous déception et frustration sans pareil, nous venons porter fois ça, une nouvelle alternative tout neuf pour tout grand militant conséquent qui joue aujourd'hui déception et humiliation sous toute forme fait ou voulez quitter bataille là. À travers gros force populaire ça, nous venons dire lever campé, venons porter coller pour militants qu'à décoller. Venons porter coller pour militants qu'à décoller. Vim protocolé, pour militants, qu'à décoller. Nous lycée Freedom, force révolutionnaire pour respect droit militant. Tant coup, droit pour bouger la santé. Bon, droit pour bouger l'éducation. Logement social. Crédit populaire. Et surtout, droit pour tout le monde de travail dans le niveau qui est compétence. Organisation en sous-pied depuis. Mois campagne, 22 manifestations pour nous accoucher président Jovenel sous pouvoir. Nous avons toujours à réfléchir, toute réflexion nous avons toujours à dire comme ça. Qui ça pour nous arriver faire pour nous capables au moins combattre tout acolyte, tout machin réunis, nous rassembler nous dit fois ça, faut gagner l'autre initiative, faut gagner l'autre décision qui prend pour question. Militants en d'un pays. Parce que militants en d'un pays, c'est eux-mêmes qui battent l'élection, c'est eux-mêmes qui ont voté, et c'est eux-mêmes tout utilisé pour aller bouler caoutchouc. C'est eux-mêmes tout utilisé pour faire tout l'autre bagaille qui n'est pas bon. Mais eux-mêmes militants, ils n'ont pas jamais de place, même les ont un diplôme dans les mains, même les ont une licence dans les mains, depuis qu'ils ont porté non. Militants, ils n'ont pas qu'à travailler dans l'administration publique. C'est pour raison ça. Freedom dit non, fois ça. Ça n'a pas fait dans le pays. Encore, il faut que les militants aient place dans la société et aient place dans l'espace. Tout pouvoir. Nous sommes ministres, nous sommes directeurs généraux, nous sommes secrétaires d'État, nous sommes vice-délégués, nous sommes délégués départementaux. Nous disons fois ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça. Nous sommes mentés 7 fois, 77 fois, 7 fois. Il faut que les militants aient place en dans l'administration publique. Vite! Pour l'État haïtien, tu es arrivé tant de voix nous. Nous ne pouvons pas jouer aucun résultat dans le même chez l'État. Le gouvernement
Parlement pour qu'on pose aucune action qui t'a montré nous que nous attendons voir le monde. Depuis le pays international qui était pays d'Haïti en décembre 2016, nous n'avons pas une pièce organisation, une pièce institution publique ou privée qui longe nous la main dans la bataille, dans la menée pour respecter les droits de l'endettement. Malgré nous écrit en pile institution, tant qu'affaires sociales, caisse assistance sociale, fonds assistance sociale, la mairie dans la commune Tabac et la Trier, personne ne peut arriver à garder nous. Là, nous considérons que de grands monde qui vivent en bas près là toujours. Jusqu'à présent, il y a un pile grand monde qui a mouru à cause de grand goût. Ou bien parce qu'il n'y a pas qu'à payer un soin de santé, même dans l'hôpital public. Nous-mêmes, Grandette, qui a porté collé dans l'association Grandette Tabayo, nous demandons la vie de grand monde.